J'ai passé un baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. Suite à quoi j'ai intégré une classe préparatoire BL, donc littérature et sciences sociales, au lycée Michel Montaigne, toujours à Bordeaux. Puis j'ai intégré TSE en troisième année de licence. J'ai choisi TSE pour la qualité des enseignements qui sont dispensés, mais aussi pour la renommée des professeurs qui enseignent, que ce soit en France ou à l'étranger. Et enfin, je souhaitais avoir une expérience à l'étranger au cours de mes études, ce que permet TSE grâce au partenariat que l'école a développé avec des universités du monde entier. Donc pour ma part, j'ai eu la chance d'aller étudier un an à Londres à la City University l'année dernière. Je pense pas qu'il y ait de profil type pour intégrer TSE, car les étudiants sont issus de parcours très divers, que ce soit de classe préparatoire ou de parcours universitaire. Et selon moi, la classe préparatoire BL est une très bonne préparation pour intégrer TSE, car elle permet d'acquérir des bases solides en économie, mais aussi en mathématiques et en statistiques. Après, en intégrant TSE, il faut s'attendre à recevoir un enseignement de l'économie qui est plus mathématisé, ce qui peut être un petit peu différent de l'économie littéraire qui est enseignée en BL. Donc voilà, il faut pouvoir s'adapter facilement et s'habituer à de nouveaux modes de raisonnement. Les cours dispensés à TSE sont d'une grande qualité et les professeurs font preuve de beaucoup d'exigences en général, ce qui pousse toujours les étudiants à fournir un travail rigoureux et à donner le meilleur d'eux-mêmes. TSE permet d'acquérir une solide culture en économie, mais aussi en économétrie, en statistique et en analyse de données. Et il faut savoir que la plupart des cours sont dispensés en anglais dès la L3. Et nous avons la possibilité de suivre des cours d'anglais pendant notre formation, ce qui nous permet de progresser rapidement en anglais également. Et enfin, l'environnement d'études à TSE est un environnement qui est très international, puisqu'on est entouré d'étudiants et de professeurs étrangers qui viennent du monde entier. N'étant pas toulousaine de base, je trouve que Toulouse est une ville très agréable, surtout pour les étudiants. Et TSE est situé en plein cœur du centre-ville, donc près de la place Saint-Pierre et des berges de Garonne, ce qui en fait à la fois un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de vie à part entière. Et sinon, Toulouse est une ville très dynamique, surtout du point de vue de la culture. Alors l'année prochaine, j'aimerais intégrer le Master 2 qui s'appelle le PPD, donc Public Policy and Development, parce que j'aimerais être consultante soit en économie publique, soit en économie du développement dans de grandes organisations internationales telles que l'OCDE ou la Banque mondiale. Et cette année, j'ai d'ailleurs trouvé un stage en tant qu'assistante de recherche, donc un stage de M1 à la Banque mondiale. Concernant ensuite l'insertion professionnelle qui est permise par l'école, il y a de nombreux événements qui sont organisés au cours de l'année. Je pense notamment au Business Networking Day. C'est une journée où les entreprises viennent présenter ce qu'elles font et voilà, recrutent les étudiants, que ce soit en stage, en CDI ou en CDD. Ensuite, il y a un réseau alumni qui est très développé et qui est très actif. Et enfin, les débouchés de l'école sont très divers. Ça passe par exemple par le secteur bancaire ou alors le consulting ou bien l'analyse de données ou le big data.